je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux vaut tant refermer le livre que de le brûler. Mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données. Magnifique duo, Dany Briand, Chimène Badi. Dany qui chante Aznavour, un disque, hein, cette chanson elle est dans le volume 2, je crois, de ce oui, disque. C'est-à-dire que j'avais commencé, je suis un fan d'Aznavour, et puis grâce à Chimène, un jour on a fait une émission de télé, on a fait un duo ensemble, et j'ai décidé de faire un collector. Il y avait tellement de gens de ma génération qui adorent Aznavour que c'est devenu un volume 2 avec 16 titres. Génial. Vous êtes fidèles au Téléthon, tous les deux, hein, pratiquement chaque année. Oui, parce que c'est important, tout simplement, parce qu'on est tous ensemble et on peut tous être touchés par la maladie. C'est vrai. Via nos enfants, nos neveux, nos cousins, nos oncles, nos tantes. Enfin, je veux dire, on est tous dans le même bateau. Ça peut arriver à n'importe qui, il faut en être conscient. 3 millions de personnes en France, 30 millions en Europe, et ça vous tombe dessus comme ça du jour au lendemain. Voilà. Et c'est pour ça qu'on combat tous ensemble. Dany, en plus, vous êtes généreux pour notre tombola. Oui, moi je voulais dire que je le fais chaque année, pratiquement. Et je trouve que la joie monte chaque année parce que les progrès arrivent. Ouais, on sent que cette émission est une mission très joyeuse et elle donne de l'espérance. Et je sais que chaque année, on voit les progrès parce qu'on revoit les mêmes personnes aussi. Et je crois que c'est une émission exceptionnelle. Et continuez à donner vos dons parce que les progrès arrivent. En tout cas. Les progrès arrivent. Il y a des enfants qui guérissent grâce à vos dons, mais il y en a tellement qui attendent encore. 95%. Comment ? Mon cadeau, alors. Oui, votre cadeau. Alors, tombola. Moi, je voudrais offrir 4 places, ou plus, même s'il y en a qui veulent, au Palais des Sports le 4 février. Génial, merci. Vous n'avez plus que quelques minutes hein, pour participer à la tombola. Ticket 10 euros. On va retrouver Laura dans quelques instants. Je voudrais saluer les salariés de la Fondation EDF, présents depuis le début, partenaires du Téléthon avec Bernard Baratos, avec cette association de parents. Et vous avez été là dès le début et vous continuez bien sûr à récolter des fonds. C'est vrai. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Laurence Lamy. Et EDF et le Téléthon, effectivement, vous l'avez dit, Sophie, c'est un peu une histoire de famille, puisque c'est un de nos salariés hydrauliciens sur un barrage électrique
qui avait un fils malade atteint de la myopathie de Duchenne et qui n'a pas voulu se résigner et qui a initié cette idée du Téléthon. Bernard Barateau. Bernard Barateau. Et derrière lui, des générations de salariés se sont engagés en renouvelant les modes d'engagement. Alors cette année, on était dans notre élément puisque c'était la lumière, donc on a éclairé nos ouvrages industriels, mais on a aussi beaucoup placé notre engagement sous le signe du sport. Alors avec nos cyclistes qu'on a vu arriver tout à l'heure à la Réunion pour éclairer le E de l'étang salé, mais avec aussi cette année une innovation. Alors des cyclistes qui ont fait 50 fois le tour de la Terre depuis 1987 pour le Téléthon. Si, 50 fois le tour de la Terre. Bravo. Et puis. Et cette année, on a voulu innover. Donc, on a créé une application numérique EDF Sport Énergie qui permettait aux sportifs de compétition, mais aussi aux sportifs amateurs, ceux qui marchent, ceux qui montent des escaliers, ceux qui jouent à la pétanque avec vous, Soprano, de compter. Et on a vu mon niveau quand même. Hein. Mais oui. Merci de préciser. Vous êtes un champion. Eux, ce sont des amateurs, mais il y avait toute l'énergie et le cœur pour y aller. Et alors, on va être impressionnés encore, comme chaque année, par le chiffre que vous allez nous annoncer. Donc, tous ces salariés de France et d'Outre-mer, que je remercie chaleureusement pour leur engagement et le cœur qu'ils ont mis dans toutes ces actions, rapportent ce soir, font grimper le compteur ce soir de 800 000 euros. Waouh ! Autant que les pompiers, bravo aux salariés d'EDF. 800 000 euros, c'est beau, c'est magnifique. Et je les regarde dans les yeux parce qu'il nous reste 2 mois pour faire le million. Donc je compte sur vous. Bravo et merci.